Bonjour potentiel VOD, rediff YouTube, rediff Twitch, bienvenue sur une nouvelle démo que nous allons découvrir aujourd'hui d'un jeu français qui s'appelle Last Moon, un jeu RPG, on va dire un petit peu Zelda-esque, Zelda 2D, enfin vous allez vite vous rendre compte. Il y a un petit côté tunique aussi forcément, enfin vous allez voir. On démarre l'aventure, je ne suis pas sur le jeu, donc je ne peux pas démarrer l'aventure. Je démarre l'aventure. Nouvelle partie. Oh waouh. L'alcôve oubliée. Debout, petite braise. Doucement les flashs. Hein. Skull Studio. C'est joli. C'est pas aussi fluide que je l'aimerais, mais je sais pas si c'est lié au jeu ou à la démo ou quoi que ce soit. Ah, oh, je peux faire des roulades. La colline du héros. Tiens. Qu'avons-nous là ? Une étincelle audacieuse, prête à brûler dans l'espoir de sauver Leaf. Quelle est la portée de ton ardeur? Jusqu'où pourras-tu aller avant que ton feu ne s'éteigne? Peut-être devrais-je t'accompagner pour admirer ta chute. En contrepartie, si tu collectes suffisamment d'anima, je t'accorderai le privilège d'invoquer mes pouvoirs. En avant, petite braise. Je trouve que c'est bizarrement pas très fluide. Si je... Ah, calmez-vous les FPS là. Ah non, c'est encore pire là. Attendez. Peut-être si j'enlève la V5. Non, je déteste. Peut-être si je mets en plein écran. Non, je sais pas. Ouais, c'est l'anime du personnage, t'as raison, l'étincelle et tout ce qui est à côté est très fluide. Je sais pas, le mouvement de la caméra me paraît un peu saccadé, bizarre, je sais pas, c'est peut-être un parti pris. Thank you.
Les feux de camp te protégeront si tu tombes au combat. Enflamme-les, ils deviendront la balise pour de la brume. Mode coop. Je pourrais matérialiser mon enveloppe physique si tu trouves une âme charitable qui pourrait la contrôler. On pourrait jouer avec moi. Attendre jusqu'à la nuit, équipement. Mode coop. La forêt bleue nord. Ton éclat lunaire est faible. Recharge-le en frappant les ennemis avec ardeur. Maintenir rond pour récupérer votre énergie vitale. Maintenant que ton éclat lunaire est à son maximum, fais-le circuler à travers ton corps pour soigner tes blessures. R2 pour courir. Mani dans son orgueil déchira la nuit. Les fragments lunaires imprégnèrent l'écorce d'if d'un venin lumineux. Ses racines nourricières ont flétri, se sont tordues et asséchées, plongeant esprit et créature dans une ombre maudite. Écho d'unité volume 1. Bon, c'est peut-être parce que j'ai joué à Hollow Knight très récemment, mais je retrouve des éléments. Enfin, je sais pas, je trouve les PV, le fait de charger sa vie avec en tapant les ennemis et tout ça. Et le fait d'avoir un peu de l'or comme ça sur une pierre, ça me fait penser à Hollow Knight, mais c'est probablement parce que j'y ai joué récemment. Commençons par se rendre à Selene. Comment je mets mon petit bouclier, tu peux pas me dire? Ça fait gling-gling. Ah oui, je passe à travers. Quand j'esquive. Bon, si on peut passer à travers les attaques en esquivant, ça veut dire des combats punitifs. Oh, des drôles de bruits. Je peux pas me soigner si je suis pas à fond sur la lune. Paré, R1. R1! Oh, le petit POC. J'ai plus qu'un seul PV déjà. Hein. Vous avez obtenu une rune des anciens, pleine lune. Cette rune reflète la lumière dégagée par la lune pour créer une barrière de protection autour du porteur. Rendez-vous à un feu de camp pour vous en équiper. Tiens, un charme. Tiens.
J'ai pris un niveau. Il y avait pas marqué niveau augmenté là. Un vieux bout de parchemin griffonné. On dirait une carte sur laquelle on a commencé à griffonner un plan de la forêt. Complétez-la pour mieux vous repérer. Regardez la carte. Quel bouton là? Ok. Carte complétée à 0,2%. Je régène. Équipement. Ah non, bah alors là. Ok. Ok, il y a une petite inspiration. Très bien. Pleine lune, coup 2. La carte qui fait la diff. J'ai pas compris la blague. Une barrière de protection autour du porteur. Après un soin. La carte qui fait la diff. Si c'est pas la carte kiwi, j'ai pas. Regarde le nom de la zone. Ok. Ok. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. La carte diff. Ok. J'avais pas lu. Ah. Ok. C'est de plus en plus sombre. Fragment lunaire rouge. Cette pierre tombée sur If après la destruction de la lune regorge d'énergie vitale. Ces fragments brillent à l'unisson lorsqu'elles sont associées. On en associe deux. Quelqu'un pourra probablement en faire quelque chose. Ok, il en faudrait peut-être deux pour avoir un nouveau point de vie. Peut-être. Je suis un peu dubitatif sur l'animation du perso, là. Le fait que c'est pas fluide, mais c'est voulu, apparemment. Je déborde d'anima! Maintenant que tu as absorbé suffisamment d'anima sur tes ennemis, tu peux invoquer mon vrai pouvoir, L2. Ok. Ah, c'était la barre qui était sous mes points de vie. Comment ils queen ceux-là?
Selene se trouve juste un peu plus loin. Mais crève! Le jeu est suffisamment ASMR. Pas. Oh! Il y a du gling-gling quand on ramasse des choses, mais... Essence de lune corrompue. Essence lunaire parcourt les veines des puissantes créatures corrompues qui peuplent désormais les racines de l'if géant. Il semblerait qu'elle agisse de manière néfaste sur les cristaux lunaires. C'est pas ce que j'en ferai. Ah, je pouvais passer là depuis le début ? Le jeu qui va avoir des passages secrets, là, ça va. Mais est-ce qu'ils vont nous faire une tunique? Attends, je vais me soigner. Et avoir un twist? Je pense pas, en vrai. Ça a pas l'air de partir dans cette direction. Hein. Mais c'est joli en tout cas. Y a personne. Y a juste, je te dis, ces animations et ce côté pas fluide qui, moi, m'embête. Je sais pas si c'est vraiment voulu. Je sais pas. C'est peut-être ma capture. Mais encore une fois, c'est vrai que les animations autour, les petites feuilles qui bougent, la fée, on va dire, qui nous suit, elle est bien, bien fluide. Mais ça me gêne un petit peu, quoi. Oh. Tu m'as trouvé, délivre-moi. Utiliser une essence de lune corrompue. En vrai, c'est peut-être même pas le personnage qui me gêne, mais plutôt le mouvement de la caméra. C'est pas vraiment saccadé d'ailleurs, hein. On abuse un peu, mais... J'ai l'impression que la caméra, elle suit avec cette, entre guillemets, saccade. Je pense que c'est ça qui me gêne. Finalement, le reste... c'est pas grave. Bienvenue, petite braise. C'est Skoll, tisseuse du destin. J'ai bien peur d'être la dernière résidente de Selene. Avant la chute, ce lieu regorgeait de vie. Le puits d'Urda semblait être le refuge idéal. Un par un,
Tous y descendirent afin d'échapper à la corruption, mais pas un seul n'en revint. Jadis, le puits formait le lien avec les racines d'If. Mais dans ses profondeurs, de nombreux mondes attendent d'être explorés, mais il est devenu périlleux de s'y aventurer. Si tu t'y rends, prends garde à toi, les créatures corrompues y rôdent dorénavant. Ceux qui pensaient y trouver l'espoir d'un renouveau n'y ont trouvé que ténèbres et désolation. Peut-être sommes-nous finalement destinés à errer en attendant la fin inéluctable, emportée par la corruption d'If. Ah, augmenter mon pouvoir. Ah bah voilà, il me faut une sur deux. Augmenter ma vitalité ou mon éclat lunaire. Les autres sont tous allés chercher refuge dans le puits d'Urda. Bonne ambiance. Allons-y. Oula, c'est bizarre, hein. Bonjour Méga Satan. C'est scripté ou quoi là? C'est quoi ce bordel? J'ai encore de PV. Je risque rien. Ah waouh. Oh, ah, j'ai mis trop de temps à me soigner. Ok, bien énervé d'un coup là. Hein. Oublié un coffre tout à l'heure? Où ça? Tu sais dire? Ah merde, bah ça s'est fermé! Oui, bah le coffre, le joli coffre. J'ai l'invocation. Juste dans la salle d'avant. Pas oublier la roulade. Yes.
j'arrive pas à me soigner. Ah, parce que je suis pas à fond. Merde. De risque. Waouh. Oh. Non. Non! Eh bien, ça promet. Gling, 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 gling. Ça se casse, ça. Bah oui, fonce dedans. Ah, je peux pas du tout les taper. Ça fait zéro. Pas du tout où je vais. Ça, ça ressemble à un truc de TP. On en a déjà croisé plusieurs. Ah bah j'y vais, mais j'ai peur. Un trait d'or dans l'azur semble vous frôler. Oh là là, mais on est... ça y est, on est parti en... En rogue. Vigueur, octroi de la vitalité supplémentaire. Chance de coup critique plus 5%, augmente la quantité d'éclats lunaires absorbés. On va prendre vitalité. Je ne savais pas que c'était un rogue. Gling, 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 gling. Et toi, Crafture, vu que tu en avais parlé, tu...
T'avais essayé? Je sais pas si t'es encore là. Oui, j'ai fini. D'accord. Parce que t'avais l'air de dire que la démo était conséquente. C'est pas un rogue, ok. Parce que ça y fait penser quand même. Les petits effets supplémentaires, là. Le côté on saute dans le puits et puis on recommence. Le temps n'existe plus, Leaf le sang. Attends, quoi? Les fils du destin se sont entrelacés avec les fragments lunaires, ils sont comme une nuée d'où il pleut du sang. Retissons-le. Tout ceci est bien mystérieux. Les fleurs cul qui crachent des boules de feu, là. Oula. Je dirais que t'as fait un tiers. Ok. Bon, c'est pas si long alors. Après, peut-être qu'il y a des difficultés. S'il y a un boss qui me fait perdre une heure. Bah, j'avais mon boubou. Il y a un coffre là. Yes, je fonce dedans. Demi-lune. Un demi-cœur est moins lourd à porter. Cette rune augmente drastiquement la vitesse avec laquelle vous vous soignez, mais réduit également la force de vos soins. J'avoue qu'on a pris un petit moment hein, pour se soigner. C'est peut-être mieux de se soigner plus vite et un peu moins fort. Pour l'instant, ça manque d'une deuxième attaque. Tu vois, là, je spamme mon épée. Je sais pas. Il faudrait un petit peu plus, effectivement, de dynamisme dans le combat.
Ça va peut-être arriver, hein. Ça va sûrement arriver, d'ailleurs. Équipement. Est-ce que le demi-cœur, je peux le mettre en même temps? Non, bah non, ça coûte 2. Est-ce que je peux me surcharmer? Vitesse du soin plus 1000%. Certains préfèrent plus vite et plus fort. Ah bah ça, après. Communiquez avec votre partenaire. Savoir ce qu'il ou elle aime bien. Enfin voilà, c'est ça qu'on voulait dire. Salut Brita. T'as raté quelque chose tout à l'heure, Brita. T'as raté un truc dans le nom du jeu. Il y a un truc genre Golden Idol, un truc comme ça. Ah, j'ai pas retenu. J'ai pas retenu. Je communique avec les partenaires sociaux pour unir la couche. On en a parlé en début de stream, ça aussi. Si t'as pas retenu, c'est que le jeu était pas ouf. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. C'était Rise of the Golden Idol, je crois. Vous allez m'énerver alors que ça fait 2 minutes que je suis là? Oui, on a fait la démo de Rise of the Golden Idol, qui était en français, contrairement à l'autre jeu, qui je crois s'appelle Case of Golden Idol, je sais plus. Je sais plus le nom du premier. La suite, j'ai vu que la démo était dispo. Bah du coup, ouais, on a fait la démo et... Et c'était bien, bien sympa, assez complexe en vrai, ça s'est complexifié assez vite. L'autre jeu a un fan patch, oui, il paraît. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon appétit, Strog. Oui, d'accord. Minerai lunaire. Ce minerai semble parfait pour forger des équipements de qualité. À quoi a servi le gros caillou? Pourquoi ils m'ont permis de l'enlever de là? À faire? À bloquer le second pilier? À quoi perdu dans les ténèbres? À quoi? Oh les deux cons là, j'ai juste pas été assez rapide. Bah ben oui. Affaire à suivre. Oh. Ouvrir l'inventaire. J'ouvre l'inventaire. Ben non, j'ouvre pas l'inventaire! Bah alors on est coincé derrière le poteau? Qu'est-ce que c'est que cette arme de con là? Affaire classée. Affaire classée. Peut-être que ça va parler à Thorlink. Affaire classée.
sais pas. Pas sûr. Je te déteste. Affaire classée. Tant que c'est pas une ref, au cœur a ses raisons. Tu connais pas le cœur a ses raisons, Cartier? Tu connais pas? Oh, vraiment? Oh, ça me fume qu'on s'acharne sur lui alors que j'ai jamais vu non plus. Mais le pire... C'est que Ekatia connaît. J'ai vu. T'as écrit trop de majuscules là. Pourquoi? J'avais dit qu'on. Normalement, les majuscules, c'était plus time out. Salut à Rue la Brioche. Merci beaucoup pour ton 34e mois. Me fais pas rire, je suis à la salle sur mon tapis de course, les gens me regardent chelou. Oh waouh! Ça y est, ça se dynamise. Je vous fais les bruits à la bouche. Changer d'arme? Putain, j'ai pas vu le bouton. Tu fais super bien le renvoi de boule. Oh, j'ai voulu faire une roulade et ça n'a pas marché parce que c'est lent cette attaque chargée. Dis donc, c'est quoi ce passage là? Passage de puzzle. Vous avez trouvé MGL numéro 24 sur 50. Je fais 4 sur son tapis. Griffé par le temps, le nanite bourdonne et scintille en songeant à l'écho lointain de Kalira. Attends, on va mourir si vous... On va mourir. Encore une blague de ce genre, je le mets en haut-parleur à la salle. Oh, moi, ça me dérange pas, hein. Vas-y. Hello, guys. It's Super Brioche. The famous... streamer. Famous streamer. Don't forget to subscribe. J'ai pas réussi à me soigner là ou je rêve? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah super. Hello guys, it's gross and naturel. Bonjour Arbousier.
Ça, si c'était en haut-parleur. Hello guys, it's gros sein naturel. Merci beaucoup pour ce sub, tiers de Harbousier. Fils de Mani, les Nords ne t'observent. Seule la forêt forgée dans l'épreuve ouvrira la voie de la victoire. Relève ce défi afin que les fils du destin s'entrelacent en ta faveur. Un défi. Do you know the cœur a ses raisons with the famous Brenda? Mais si, j'ai réussi à me soigner, c'est juste que ça va tellement vite que j'ai pas vu l'animation. Attention, les carapaces! Par contre, c'est difficile à spammer avec cette arme-là, hein, franchement. Je sais pas si c'est un bon plan, là. Et allez. J'ai voulu invoquer. Putain, je me suis trompé de bouton. Non mais attendez là. Ouf. Une onde bienveillante et triomphale vous transperce. Liv semble s'extasier et les abords flamboyants. Flamboie. Moi, j'arrive plus à lire. Oh, il y a quand même écrit en haut à gauche. Jeu actuel Last Moon. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Est-ce que c'est bon pour vous? Tu préfères... Il est peut-être un peu petit, et puis ça se perd un peu avec l'interface, peut-être. Mais nous sommes sur Last Moon. Rendez-vous à un feu de camp pour raviver les souvenirs de l'âme. Dungeon Crawler, c'est pas le gacha, là? Ou je confonds avec autre chose? Enfin, c'est pas un gacha, mais t'as capté. La nouvelle baladrogue. Mais j'ai pas testé. Ouah, y'a un gros paquet de flouze, là. J'aimerais bien un feu de camp. Ah! Ah! Super! Oh! Ok, je change d'arme. Je charge mon attaque. J'approche. Et ça dégage. Allez, ça dégage bien.
Ouais, j'aimerais bien un petit peu de musique aussi. Où je vais. Oh, les ronces de ces morts là. Pourcentage infini sur. Ah oui, j'avais pas vu carte complétée. 3,299999. Effectivement. C'est la troisième démo qu'on fait aujourd'hui. J'ai commencé un petit peu tard. Alors ici on est déjà venu hein. Ouais, et là c'était fermé. On peut arrondir ou quoi? Oh là là. J'ai perdu tous mes PV ici! J'aurais dû utiliser l'invocation directement là. Merci. Ils sont pas morts, hein? Pourquoi ça me fait autant rire? J'en ai marre. J'ai une anecdote. Non, j'arrête pas. J'ai voulu faire une blague, mais je la ferai pas. Tu dois dire maintenant, mais non. Non. Mais vous allez même pas comprendre la Arbousier et Brita parce que vous étiez pas là tout à l'heure. C'était une blague sur un truc du stream. Répondez! Super. Attends, je vais mourir. Ça fait 10 minutes que je cherche You Got This Babe dans les réponses à tes tweets, je le trouve pas. Plus l'attente est longue, plus elle attendra beaucoup de cette anecdote. Mais c'est ce que je voulais faire, Dorian, je voulais faire une blague avec ton anecdote. Mais je me souvenais pas bien, je voulais faire... Attendez, j'ai une anecdote! Alors, j'étais en distanciel. Et je me suis dit, non, je vais pas faire ça. Et j'ai activé le micro, je me souviens plus parce que j'avais pas compris. Enfin bref. C'est You Got This Babe ça? You Got This Babe. Oh putain. Waouh. Mais c'est la version coupée quoi, c'est pas la version longue. You Got This Babe. C'était très fort, hein. Tout ça parce que j'ai un cerveau mal foutu. Je suis content que ce soit devenu une vanne. Bah, doucement quand même, doucement, doucement. Très doucement. Dorian, il est souvent à deux doigts de se faire time out pendant une semaine. Doucement! Et là, ok.
Arrête de rester dans les trucs, toi aussi. Ah, ça y est, c'est la décadence. Il a respawn le petit bâtard là, non? Il était pas mort? Non, il était pas mort. Tada! Salut Void! Peut-être me régène, non? Ça va. Ah, ça démo bien, là. C'est notre troisième démo aujourd'hui. Et on a passé des moments sympas. Pourquoi il n'y a rien, là? Des moments sympas sans moi. Bah oui, ça nous arrive, hein, si tu veux. Ooh.
Oh. Un cadeau du développeur pour découvrir la démo de l'essence de lune corrompue. Qu'est-ce que quoi ? Moi, c'est pas ça que je disais. Je voyais là surtout l'énorme épée là. Vous n'êtes pas assez fort ! Je dois m'entraîner pour protéger If. Siège. Bon, vous voyez pas son nom, mais il s'appelle Siège. Sans E. Probablement Siège, bref. Frère, te voilà. Tu n'es pas lui. Tu m'as libéré et je t'en remercie. Mais ce tableau de désolation autour de nous n'est guère plus plaisant que le rougeoiement infernal qui me hantait. J'ai longtemps veillé sur l'arbre sacré. Je refuse d'être témoin de sa déchéance. Pour détruire les fragments lunaires, devenir plus puissant ne suffira pas. Tu auras besoin de maîtriser l'art du combat. De ma maîtrise, ok. Retrouve-moi à Sélène, je t'apporterai mon aide. Augmenter mon pouvoir. Oh. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas d'effet. Waouh, j'ai un combo. Vous n'êtes pas assez fort. C'est si triste sans les effets sonores, ouais. Ça se prononce pas Sig, je sais pas du tout. Si seulement on savait où on allait. Pas moi. Ah bah même pas c'est bloqué. Elle nous aide pas beaucoup Navi là. Hein. À part pour son attaque chargée, bien sûr. Ok, il y a trois portes là, on dirait. Oula. Eh merde, il fait deux attaques. Bien au milieu, moi j'aime beaucoup. L'arène qui se rétrécit, ça c'est sérieux? Ouvrez les portes, mon Dieu!
Help! Oui, d'accord. Attends, je vais faire demi-tour, il y avait un petit passage à gauche. Prenons la gauche. Choisissons le passage de gauche. On dirait qu'on fait le tour. Ah, on a fait le tour de la démo. On devrait simplement attendre la sortie du jeu et aller l'ajouter à la liste de souhaits en attendant. Merci d'avoir joué. Ça me fait rire. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, je suis revenu ici. Je serais bien retourné au village, y a pas moyen? Qu'est-ce que c'est que ces chaussettes là? Force maudite. Après, ils nous permettent de visiter. Parce que là, effectivement, j'ai pas tout visité. Hein. Je serais bien retourné au village, moi, pour voir ce que ça faisait. Mais apparemment, je ne pourrais pas. Crafture, t'es dans le coin ou pas? C'est officiellement terminé, il n'y a pas un petit retour village. Il peut traîner 2-3 runes cachées. Ouais, mais voilà, mais c'est fini. Ok. Ok, ok. Bah écoutez, c'était Last Moon, plutôt intéressant. On sent que... Je sais pas au niveau sonore si c'est terminé, c'est vrai qu'une petite musique... Je serais pas contre. Un peu plus de présence musicale, je serais pas contre. Mais pas mal du tout, hein. Clairement. Je dirais ce que vous en pensez sur YouTube. C'était top. Un jeu français, du coup, dont on m'a conseillé la démo, donc... bah, nice. YouTube, des bisous si tu regardes cette VOD. À bientôt pour une nouvelle démo. Mais c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de sons hein, qui sont assez ASMR, hein, les petits gling-gling. Mais c'est vrai qu'une petite musique... que j'ai baissé trop le son, je sais pas. Je rajouterai un petit truc. Non, bah c'est trop tard là pour ça, Crafture. J'ai pas coupé YouTube, au revoir, des bisous.